Bonus secret du tournage. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Ah, je me donne du mal, vous rendez pas compte. Allez, on est reparti. Encore plus de secrets. Ah, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va arriver plein de balles. Je suis au milieu de la route. Et voilà, pour vous, je remonte. Donc c'est une belle descente. Voilà, alors on change de côté. Et on remonte. Alors on remontera. Ah, c'est du sport, je vous le dis. Here we go! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça vous plairait peut-être pas, mais moi ça fait 2 mois exactement que j'ai pas roulé. J'avais pas mal de vidéos d'avance, alors du coup bah, ça s'est pas trop vu sur la chaîne. J'ai fait une toute bête, un bout de béton complètement caché dans une motte d'herbe, impossible à voir, donc j'ai la pédale qui a tapé dessus. Je me suis ramassé, alors je me suis rien cassé, mais j'ai dû déplacer quelque chose dans l'épaule, et donc impossible de rouler, trop de douleur. Du coup, c'est la reprise pour moi là, on verra ce que ça donne au niveau cardio surtout, les jambes. J'ai investi du coup dans les protections, j'ai pris des petites genouillères, des coudières, parce que bon... l'année dernière, je m'étais fait une côte. Cette année, 2 mois d'arrêt à cause d'une épaule qui n'est pas encore guérie, hein, donc je vais y aller mollo aujourd'hui. Donc je vous dis bonne rando et puis on va voir ce que ça donne. Si ça tombe, ça va finir sur la piste cyclable. No, God, please, no, no! Bon, j'ai passé 1 heure à foutre de la graisse partout pour essayer d'enlever le petit oiseau qui grince quelque part dans le vélo, je sais pas où. J'ai mis de la graisse carbone pour les coins de contact avec le carbone. J'ai mis de la graisse normale pour les autres points de contact. Et ça grince toujours. Alors quoique depuis que je suis parti, j'ai l'impression que ça s'améliore. Alors, peut-être la graisse et son effet, je sais pas, on verra. On verra pour la vidéo, vous me direz si je grince ou pas. Après c'est peut-être mon épaule qui grince. Mais là pour l'instant c'est le vélo. Après 5 bornes, ça va. Par contre, je subis un peu plus, hein. J'ai un peu de mal à tirer sur le guidon. Donc les bunny up, là, on va laisser tomber l'entraînement. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Bon, pour les protec, c'est la première fois que je roule avec. Par contre, mon pédalage, ça se sent pas du tout. Sur les conseils de Go Outdoor France, j'ai pris les Fox Launch Pro pour les genouillères. Ça gêne pas du tout pour pédaler. Pour le gilet, j'ai pris, j'ai oublié le nom, Life Guard quelque chose. Ça donne un peu chaud, mais par contre au niveau des sensations, je le sens pas quoi. Donc c'était l'idée. Ça reste du XC, hein. Je sais que en XC, la plupart du temps, on roule sans protection. C'est ce que je faisais avant. Wow, le sable. Mais ça m'a un peu refroidi là. Donc voilà, hein. On s'adapte. Hop là. Quelques roches ici. On va essayer d'être maître de la route et pas l'inverse. Ah, celle-là, elle grimpe. Allez. Ouais. Bon, les gens sont là, mais le cardio, ça grimpe là.
Bon, encore une. Alarme au milieu de la route. Il n'y a pas eu tant de tempêtes que ça ces deux derniers mois-ci. Une petite descente avec des cailloux. On va voir ce que ça donne. Ah bah ça va en fait, ça va bien même, donc c'est les jambes qui prennent, ça va, ouais. Ouais, du sable encore. Ouais, les descentes debout ça va en fait, c'est plutôt les montées techniques qui tirent sur les bras. Ah, un petit cheval. Bonjour, merci, bonne promenade. Petit panorama tranquillou. Parce que c'est électrique, sinon j'aurais bien fait une petite photo, mais on verra plus tard la photo. Ça par contre c'est les dégâts de l'eau. Là bah, on va bientôt revenir dans les périodes avec de la pluie, de la boue et puis de la boue aussi. Et du coup bah forcément les moyennes diminuent. Puis en plus comme il y a de la boue, et ben on va moins vite et sur le même temps bah, on va moins loin. Surtout à cause de la boue quoi. Enfin voilà, on va descendre, on va regarder les nouveautés. Ça va, il a plu qu'il y a quelques jours, mais c'est plutôt sec. Parce qu'ici c'est assez marécageux d'habitude. Voilà la belle descente. Enfin belle. Si elle est correcte, elle est correcte. Oh, il y a des ornières maintenant. Elle fait du bien celle-là. Un vrai plaisir. Je vous ai allumé au milieu de la montée là, pour vous montrer que avec les genoux Air Fox, on peut pédaler. Alors je sais, comme d'habitude, on voit rien. Ça monte pas à la caméra. Je vous rassure que si. Et là. Et ben, les genouillères, elles gênent pas. Elles donnent chaud un peu, forcément. Comme je disais tout à l'heure. Mais, ça monte. Ça gêne pas. Ouh. Ah. Merci les suspensions et le grand pignon. Ouh. Celle-là, elle grimpe. Pour ceux qui me suivent d'habitude, vous avez déjà dû voir le mur en bitume qui finit par un petit prêt avec des chevaux. Voilà. En fait, on démarre du même endroit en bas et ça arrive à la même hauteur en haut. Alors, elle est un poil plus longue.
donc c'est quand même moins raide, mais ça pique, surtout au début. Ouh, c'est ouf. Ouah, ça passe tout juste. Il y a des arbres partout par terre. Bon, c'est un coin que je connais par cœur normalement, mais là, j'avoue, en 2 mois, ça a un peu changé. Bon, c'est vrai, j'ai fait quelques petits tours avec mes filles en vélo. J'ai fait un petit parcours la semaine dernière, non filmé, plutôt gravel hein, que VTT, histoire d'avoir quelques sensations. Bon, il y avait des marcheurs, j'ai un peu coupé. C'était en plein milieu de la route. Bon, je suis allé mollo de toute façon. Ils n'avaient pas vraiment l'intention de se mettre sur le côté. Bon, les orties ont bien poussé. Le sable est toujours aussi mou ici. Allez, on va voir si j'ai encore quelques cuisses là. Ça se voit pas, mais ça grimpe. Ouais, ça va. Hop. Un truc qui... bizarre hein, mon dérailleur. C'est quand même marrant ces petits couloirs de maïs là. Ça va, l'herbe pas trop haute ici, il n'y a pas trop d'orties, en même temps c'est large. Sortie reprise vous a plu. Bah moi finalement je suis assez content, même si manque encore un peu de confiance tant que la douleur sera pas complètement partie, mais ça va franchement. Je me sens pas trop mal. Bon, vous l'aurez compris hein, l'idée c'était vraiment pas de faire un score, mais vraiment de retrouver des sensations, de voir l'état du cardio, les jambes aussi. Les jambes ça va, mais alors le cardio bon bah c'est normal. Faut le retravailler un peu. Pourtant j'étais pas mal, là, je faisais plus 60. Là aujourd'hui c'est plutôt dans les 40, mais ça s'est bien passé. Donc bah, je vous dis bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Ciao !